إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui بإذن الله تعالى nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous vu le temps où nous sommes et qui concerne as-siyam, c'est-à-dire le jeûne. Et plus précisément, Fada'ilus-siyam, c'est-à-dire les mérites et également les bienfaits du jeûne. Et on sait que des versets du Coran qui sont explicites, qui sont clairs, bayyinat, muhkamat, et sont venus pour mettre en évidence les mérites du jeûne et le désigner comme étant un rapprochement auprès d'Allah, taqarruban ilallah. Parmi ces versets, la parole d'Allah, le Très-Haut, Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, wal sadiqina wal sadiqat, wal sabirina wal sabirat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, wal sa'imin wal sa'imat, wal sa'imin wal sa'imat, wal hafidhin والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans ce verset, où Allah Azza wa Jal dit le sens de la traduction du verset, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Pour ce qui est de la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs de ses paroles, a mis l'accent et insisté sur les mérites et les bienfaits du jeûne et tout ce que cela engendre comme multiples récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont le serviteur aura tellement besoin le jour où se dressera les comptes et seront placées les balances, et que celui qui réussit est celui qui aura rempli de bonnes actions, qui les aura remplies, ses balances de bonnes actions, afin de rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ses mérites qu'il a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sawm junnah, c'est que le jeûne junnah, c'est-à-dire junnah wiqaya, c'est-à-dire que le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. Et sache alors, chers frères et chères sœurs, que le paradis, lui, il est caché parce que n'aime pas l'âme, et que le feu, quant à lui, il se trouve derrière les pulsions et les désirs qui l'emportent sur l'homme. Le jeûne est donc, dans ce sens, venu pour s'intercaler entre le serviteur et le feu, et le protéger ainsi d'un feu ardent.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul fil hadith as-sahih, dans le hadith qui est authentique rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim muttafaqun alayh, yaqul an-nabi sallallahu alayhi ya ma'shar ash-shabab, il parle donc aux jeunes, ya ma'shar ash-shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, celui qui parmi vous peut se marier, c'est-à-dire al-ba'a al-maqtara ala az-zawaj bi anwa'iha kaffatan, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de se marier sous toutes ses formes. Falyatazawwaj, alors qu'il se marie, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, alors cela va les aider à conserver leur regard, c'est-à-dire à baisser leur regard, le conserver, ce regard de ce qui est haram, wa ahsanu lil-farj, et également ça va être plus pur et plus chaste pour le sexe, c'est-à-dire pour le protéger de ce qui est également haram. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm, donc cette protection que l'on va trouver dans le zawaj, c'est-à-dire dans le mariage, n'est pas possible. Wa man lam yastati', donc celui qui ne peut se marier, qui n'a pas cette ba'a, c'est-à-dire cette maqdara ala zawaj, cette capacité de se marier, alors il passe ici à la deuxième étape qui nous est informé et qui nous est enseigné par le prophète sallallahu alayhi, et qui est le somme. Donc il nous dit le prophète fa'alayhi bis-somm, fa'alayhi bis-somm, alors qu'il jeûne, fa'innahu lahu wija'un. Pourquoi? Parce que ce jeûne est pour lui wija, qui a pour signification al-wiqaya, et qui vient donc fimarna el bimarna junna, c'est-à-dire donc une protection. C'est pour lui une protection. Et donc cette protection-là, elle est fid dunya. Cette protection-là, elle est déjà dans la vie d'ici-bas. Mais également pour celui qui va jeûner, et ça rentre également dans les bienfaits, dans les mérites du jeûne, cette protection-là, il la trouve également fil akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an, wal-lafdu li-muslim, yaqul al-Nabi salawatullahu salamun alayh, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ad Allahu bithalika wajhahu anin nari sab'ina kharifa, ay sab'in Aman, ou masirata sab'ina aman. Il n'y a pas une personne ou il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour dans le chemin d'Allah, fi sabilillah, sans qu'Allah éloigne son visage du feu d'une durée qui est de 70 années. Sab'ina kharifa, d'une durée qui est de 70 années. Ça, c'est al-wiqaya. Ça, c'est une protection. Le jeûne dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que ce jeûne-là, il va s'intercaler, comme on l'a dit, entre notre visage et le feu de cette durée. Pour celui qui a jeûné un jour, fi sabilillah. Et également le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, un hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala an, et qui est un hadith authentique, hadithun sahih, yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, as-siyamu junnah, yastajinnu biha al-'abdu min an-nar, c'est-à-dire que le jeûne, c'est une protection. Donc le terme encore repris ici, junnatun, c'est une protection, wiqayatun, c'est une protection. Il se protège de par lui, c'est-à-dire de par ce jeûne, l'esclave, le serviteur du feu. Donc également une protection ici dans ce hadith, une protection dans l'au-delà. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, min hadith Abi Umama, et qui est également un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, et qui est un hadith authentique, sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allah baynahu wa baynan nari khandaqa kama bayna as-sama'i wal ard, c'est-à-dire que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui jeûne un jour dans le chemin d'Allah, Allah il place entre lui et le feu un fossé, khandaqa, il place entre lui et le feu un fossé. Kama bayna as-sama'i wal ard, comme entre le ciel et la terre. Comme entre le ciel et la terre, de cette distance-là. Regardez encore al-wiqaya, regardez cette protection que la personne qui jeûne un seul jour va avoir
dans l'au-delà pour ce qui est du feu, Jahannam, Allah al-Musta'an. Et par rapport bien sûr au texte qu'on a cité, tiré de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité fi sabilillah. Il est cité fi sabilillah. Les savants ont divergé par rapport à cela. Est-ce que c'est durant al-jihad? Est-ce que ces hadiths-là concernent al-jihad, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans le hadith qayyada bi adh-dhalaf, c'est-à-dire qu'il a restreint le hadith à cette version qui est la suivante, fi sabilillah, dans le chemin d'Allah, est-ce que ça veut dire fil jihad, c'est-à-dire que cette personne, la personne ici qui est concernée, c'est celle qui jeûne alors qu'il est en jihad, ou alors c'est plus général, c'est-à-dire que tout jeûne va être considéré comme fi sabilillah. Une personne qui jeûne, bien sûr son jeûne, il est considéré comme fi sabilillah. Wa hadha wal azhar, c'est-à-dire c'est ce qui est le plus apparent par rapport au texte. Également parmi les intérêts et les bénéfices du jeûne, as-sawm yudkhil al-jannah. As-sawm yudkhil al-jannah, c'est-à-dire que le jeûne, il fait entrer dans le paradis. Et ça suffit également comme bienfait. Et bien entendu, lorsque la personne, elle s'écarte du feu en jeûnant, alors bien entendu, elle va se rapprocher du paradis. Et dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i wa ibn Hibban wa al-Hakim wa sanadu sahih, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, et c'est un hadith d'Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu, qal, qultu ya Rasulallah, dullani ala amalin udkhilu bihi al-jannah, qal, alayka bis-sawm la mithla lahu. Il nous dit ici Abu Umama qu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, oh envoyé d'Allah, ya Rasulullah, dullani ala amalin, indique-moi un acte qui me fera rentrer au paradis. Adkhil ou adkhul bihi al-jannah. Qal, alayka bis-sawm. Donc jeûne, le jeûne, la mithla lahu, il n'y a pas quelque chose d'équivalent à lui. La mithla lahu. Rien ne l'équivaut. Donc regardez ce hadith, comme il est clair et comme il indique que la personne qui jeûne, le bienfait que cela va en découler. Également, parmi les bienfaits et les mérites que l'on cite, يُوَفَّى الصَّائِمُونَ أُجُورَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et également, les صَائِمْ فَرْحَتَنْ. Et également, les صَائِمْ خُلُوفَ فَامِ الصَّائِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Et tous ces trois bénéfices, ou ces trois bienfaits, ou ces trois mérites, sont tirés d'un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qudsi. Donc le premier bienfait, c'est que les jeûneurs, ceux qui jeûnent, ils auront leurs comptes qui leur seront octroyés sans compter. Ensuite, As-sa'im, le jeûneur, il va avoir deux joies. Farhatan, deux joies. Et ensuite, as-sa'im, son haleine, khulufu fami as-sa'im, c'est-à-dire donc l'haleine qui sort de la bouche du jeûneur, est encore plus pure, est encore plus agréable auprès d'Allah Azzawajal que l'odeur du misk. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi في الحديث متفقون عليه والرواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجله وللصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك أطيب من ريح المسك. Dans ce verset où il est dit, ou parfois dans ce hadith où il est dit que chaque enfant d'Adam, son acte est multiplié. El hasanatu bi ashri amthalia, c'est-à-dire que la bonne action, elle est multipliée par 10. Et à partir de là, l'imam Sa'di, rahmatullah alayhi, dans son livre intitulé
Bahjatu Qulub al-Abrar, et lorsqu'il explique ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça, hadha min fadlillah azza wa jal, min mahbi fadlillah wa rahmati alayna, c'est-à-dire ceci fait partie de la grâce entière d'Allah azza wa jal sur nous, nous les serviteurs d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit le shir? Fabayyana hadha al-asl jami'a, c'est-à-dire que il est mis en évidence dans ce hadith une base qui va être globale. وأن جميع الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد مضاعفة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Il nous dit le Cheikh que toutes les actions, tout ce qui est considéré comme acte pieux et vertueux, الأعمال الصالحة, que cela concerne une parole, que cela concerne un acte, qu'il soit vahir, c'est-à-dire qu'il soit extérieur, apparent, ou qu'il soit intérieur et caché, alors il faut savoir. Et en plus, qu'il soit dans le droit d'Allah, c'est-à-dire relié au droit d'Allah, ou qu'il soit relié au droit des créatures, alors il faut savoir qu'il est multiplié. À partir de 10 jusqu'à 700 fois et même encore plus. Ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Chaque personne qui fait un acte et une bonne action, sache alors qu'elle est multipliée par un minimum de 10 et qu'elle peut être multipliée jusqu'à 700 voire plus. Et ensuite dans ce hadith Qudsi, qu'Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut, il dit illa soum, c'est-à-dire istithna, c'est-à-dire ici qu'il y a une exception qui est faite par rapport au jeûne. Et comment on va comprendre cette exception du jeûne? Yaqul Allah Subhanahu wa Ta'ala fa innahu li wa ana ajzi bi, c'est-à-dire qu'il est pour moi. Fa adafa soum ilay, c'est-à-dire qu'il a annexer le jeûne à lui, subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا, et qu'il lui appartient, que ce jeûne-là lui appartient et que c'est lui qui le récompense. Que c'est lui qui en donne la récompense à ce jeûne. Qu'est-ce qu'on en comprend de ce hadith? Et comment l'ont expliqué les savants? C'est tout simplement que le ajr qui est donné au jeûneur, il n'est pas compté. Muhaddad, c'est-à-dire qu'il n'est pas restreint. C'est-à-dire que c'est un ajr qui va bien au-dessus de ce qu'on en a pu citer et qui revient aux actes pieux. C'est-à-dire que la récompense, elle est sans même compter. Comme on l'a dit au départ. Sans même compter. Regardez donc ce mérite qu'a le jeûne par rapport aux autres actes dits vertueux. Subhanallah. Et ensuite il dit Allah subhanahu wa ta'ala yada'u shahwata wa ta'ama min ajli, c'est-à-dire qu'il a délaissé ses désirs, ses pulsions, wa ta'ama wa également sa nourriture, min ajli, dans mon but à moi, c'est-à-dire qu'il n'a fait cela uniquement dans mon but, dans le but d'Allah azza wa jal. Et ensuite il dit wa lis-sa'imi farhatan, c'est-à-dire que le jeûneur, il va avoir deux joies. Farhatun 'inda fitrihi, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle rompre son jeûne, lorsque le temps du Maghreb est proche et qu'il voit devant lui la table remplie de nourriture et qu'il sait que dans quelques instants il va manger cette nourriture, après donc tarb, après la fatigue et après s'être interdit donc cette nourriture durant ce jour-là. Et au moment donc il va prendre cette nourriture et la mettre dans sa bouche et ensuite la déguster, comment elle va être ce farh, comment elle est cette joie? Tout le monde connaît cette joie et tout le monde a pu en profiter et tout le monde a pu s'en rendre compte de cette joie là qui est fit dunya, qui est une joie qui n'est rien d'autre qu'une joie dans la dunya, mais c'est une farha, c'est à dire c'est une joie, c'est un bonheur que le croyant il goûte. Donc ici, c'est tout simplement, c'est également un thawab, c'est également une récompense. C'est également une récompense. Et ça, cette récompense, elle est ajil. Cette récompense qui lui est donnée de par cette joie, elle est ajil, c'est-à-dire qu'elle est immédiate. Mais il faut savoir qu'il va en avoir une, et encore plus grande, et qui est, elle, différée. Ajil, et c'est celle qui concerne lorsqu'on va rencontrer notre Seigneur. عند لقاء ربه. Alors imaginez-vous déjà la joie qu'on a quand on rompt notre jeûne.
Alors comment va être cette joie dans l'au-delà lorsqu'on va rencontrer notre Seigneur, qui va être lui satisfait par rapport à cet acte de nous? Ça, c'est une joie que l'on ne peut décrire. Et c'est la deuxième joie que va rencontrer et qui est différée que va rencontrer Al-Mu'min. Et ensuite, l'autre intérêt, ou plutôt l'autre bienfait et mérite qui est cité, وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمَ عِنَّ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمَ, c'est-à-dire donc la laine qui sort de la bouche du jeûneur à cause de son jeûne, عِنَّ اللَّهِ, auprès d'Allah, est plus pur, c'est-à-dire est plus agréable et meilleur, مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, que l'odeur du misk. Ça aussi, c'est un des grands bienfaits, un des grands mérites du jeûne. Également, parmi les mérites du jeûne, c'est qu'il va intercéder auprès d'Allah Azzawajal pour son auteur. Donc il va faire intercession dans l'intérêt de son auteur, Yom al-Qiyamah, où cette information nous est indiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, ou al-Hakim ou Abu Nu'aym, et qui est un hadith dont la chaîne de transmission est Hassan. يقول النبي صلوات الله وسلام عليه الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة, c'est-à-dire que le jeûne et le Coran viennent intercéder pour le serviteur le jour du jugement. يقول الصيام, le jeûne il dit, le jeûne il parle, et bien entendu dans la croyance, dans la croyance des salafs, c'est que ils croivent fi tajassid al-a'mal, c'est-à-dire que ces actes-là prennent une apparence et ils parlent. Ça, c'est notre croyance. On doit y croire comme ont cru les salafs en cela, et comme cela est dicté de manière claire et nette et cité de manière claire et explicite dans ces hadiths et dans les autres hadiths qui concernent également cette bab, c'est-à-dire ce chapitre-là, tajassid al-a'mal. C'est-à-dire que le jeûne, il va venir et il va prendre apparence et il va parler, Yom al-Qiyamah, par rapport et dans l'intérêt de celui qui a jeûné. Et bien entendu, cela on doit y croire, d'une croyance ferme. Et ça fait partie, bien entendu, des choses de l'invisible que l'on verra plus tard. Et on sait que l'un des sifat, c'est-à-dire l'un caractéristique les plus nobles pour le mu'min, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient dans l'invisible, ceux qui croient dans l'invisible, comme cela est venu dans les premiers versets du Coran, fi surat al-Baqarah, alladhina yu'minuna bil ghaib, et qui croient dans l'invisible, et qui croient également qu'Allah Azzawajal est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Yaqul as-siyam, le jeûne il dit, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am, at-ta'am wa ash-shahwa, fashaffi'ani fih. Il vient le jeûne et il dit, ô mon Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et de ses désirs, alors fais que je sois un intercesseur pour lui, c'est-à-dire laisse-moi intercéder pour lui. Et le Coran il vient et il dit également, c'est-à-dire je l'ai privé de dormir durant la nuit, alors permets-moi d'intercéder en sa faveur. Qal fayushaffa'an, c'est-à-dire donc que l'intercession leur sera permise, c'est-à-dire qu'ils vont intercéder à ce moment-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre d'intercéder en la faveur de leur auteur, que ce soit le jeûne et que ce soit également le Coran. Également, parmi les bienfaits et parmi les mérites, c'est qu'il y a une porte qui est spécialement dédiée à ceux qui ont jeûné, aux jeûneurs. Et cela est pris d'un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Hadith min Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu. An an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ça c'est le nom de cette porte-là. Il y a dans le paradis une porte qui s'appelle ar-rayyan, dont on l'appelle ar-rayyan. Ça c'est la porte qui est réservée aux jeûneurs. يدخل منه الصائمون يوم القيامة, c'est-à-dire que les jeûneurs ils vont rentrer par cette porte le jour du jugement. لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغرق, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne d'autre
il n'y aura personne d'autre qui va rentrer à part eux de par cette porte. Et quand ils seront rentrés, elle va être fermée. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. Et il ne rentrera plus personne après eux. Et dans une autre version, فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ. Lorsque le dernier d'entre eux, parmi ces jeûneurs, va rentrer, alors elle sera fermée cette porte. وَمَنْ دَخَلَ شَرِبَ. Celui qui va rentrer, il va boire. وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَ أَبَدًا. Et celui qui va boire, jamais ensuite, il ne sentira la soif. Il ne sera assoiffé après cela. Également, parmi les bienfaits et les mérites du siyam, as-siyamu kaffara. As-siyamu kaffara. C'est-à-dire que le jeûne, c'est une expiation. Le jeûne, c'est une expiation au niveau de la législation. Et cela pour beaucoup de choses. Que ce soit par rapport à celui qui doit se raser la tête à cause d'une maladie ou à cause qu'il souffre d'une infection. Et bien sûr, durant son état de sacralisation. Alors, dans ce cas-là, il jeûne. Et ce jeûne-là va être une expiation de son acte qu'il a fait dans ce cas-là. Et également, pour la personne qui n'a pas pu sacrifier, qui n'a pas pu présenter une offrande, bien sûr, également durant le pèlerinage, celui qui n'a pas pu sacrifier, qui n'en a pas eu la capacité, alors également, ici, ce qui vient en compensation, c'est le jeûne. Également, c'est le jeûne. Et c'est pris d'un des versets du Coran qui se trouve dans sourate Al-Baqarah. يقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج محله فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. Donc dans ce verset où il est cité les deux points qu'on a précisés et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la umrah, le petit pèlerinage. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection à la tête et donc par conséquent doit se raser, qu'il se rachète alors par un jeûne, par un siyam, ou par une aumône, ou par un sacrifice. Donc on voit déjà le premier point ici. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage, en attendant le pèlerinage, le grand, lui, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui. Soit en tout 10 jours. Ça, bien entendu, c'est pour celui qui n'a pas les moyens. Donc ici, ça vient en compensation par rapport au sacrifice. Également pour ce qui est cité dans le Coran et où le jeûne vient en tant qu'expiation, c'est lorsque la personne tue une personne avec qui, donc non musulmane, mais une personne avec qui il y a un contrat a été passé avec l'État ou autre parmi les musulmans, et c'est ce qu'on appelle mu'ahad. Celui qui va donc tuer cette personne, mais comment ? Qui va la tuer avec erreur, c'est-à-dire khata'an, bil khata. Et c'est dans le verset suivant où Allah Azza wa Jal yaqul wa in kana min qawmin baynakum wa baynahum mithaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Donc on voit l'expiation. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Également,
pour ce qui est de Hinth al-Yamin, pour celui tout simplement qui a prêté serment et qui n'a pas accompli ou exécuté ce que cela a engendré par rapport à son serment. Également ici, le jeûne, il vient comme kaffara. Il vient également comme kaffara. يقول الله عز وجل في كتابه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Et ici également, le jeûne, il vient comme expiation. Kaffara. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Également, le jeûne, il est venu pour expier lorsqu'on tue un gibier alors qu'on est en état de sacralisation. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Donc dans ce verset, oh les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état de sacralisation, en état d'ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ceux qu'il a tués, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir bien entendu à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres ou par l'équivalent en jeûne. Donc également, le jeûne, il vient pour expier celui qui a tué de façon mutaammid, c'est-à-dire délibérément, et il est en état de sacralisation, un gibier. Cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, mais quiconque récidive, alors il le punira. Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. Et également, et le dernier point que l'on cite, fir zihar, c'est-à-dire lorsque la personne dit à sa femme, tu es par rapport à moi comme le dos de ma mère. C'est-à-dire que, de par ce terme-là, et qu'on appelle al-zihar, il va tout simplement s'interdire sa femme-là. Et bien sûr, cela dans la jahiliya, c'est-à-dire dans l'époque de l'ignorance, c'était considéré comme talaq. C'était considéré comme un talaq, c'est-à-dire la personne qui disait ça à sa femme, c'est comme s'il l'avait répudiée, c'est-à-dire donc un talaq, un divorce, c'était considéré comme un divorce. Et l'islam, elle a abrogé cela. Mais celui qui a dit cela, et c'est muharram fi din, c'est-à-dire que c'est interdit de dire cela à sa femme dans la religion, mais celui qui l'a dit, alors sa femme, il ne pourra s'approcher d'où nouveau de sa femme, elle redeviendra cette femme-là, ou sa femme halal, c'est-à-dire licite, que s'il fait expiation. Et c'est ce qui est cité dans le verset du Coran. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Donc dans ce verset, ceux qui comparent leur femme au dos de leur mère,
puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact, c'est-à-dire conjugal, avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs. Ça, c'est l'expression encore qui est faite par le jeûne. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrit 60 pauvres, cela pour que vous croyez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah, et les mécréants auront un châtiment douloureux. Voilà donc pour ce qui est des mérites du jeûne. Pour ce qui est des mérites du jeûne. Et également, on aurait pu parler pour ce qui est du mérite du mois du Ramadan. Pour ce qui est du mérite du mois du Ramadan, Inch'Allah, sera pour une prochaine fois. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta. استغفرك وأتوب إليك